La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, c'est une vidéo que je vais vous montrer un témoignage qui peut déchirer le cœur. Quand je dis ça va déchirer le cœur, vous allez voir l'histoire que cette dame va nous raconter. Une histoire d'une jeune fille de 17 ans qui a été violée par le fondateur d'une école en Guinée. Peut-être que vous avez entendu déjà l'histoire. Et cet homme, un vieillard de 70 ans, qui abuse cette jeune fille de 17 ans seulement, qui peut être sa petite fille. Et oui. D'abord, avant de décrypter cette actualité, je vais vous mettre le témoignage. Le témoignage qui fait très très mal, mais je suis obligé de vous mettre. Vous allez écouter ce que la dame va dire. C'est un polar, mais je vais essayer de vous dire ce qu'elle a dit. Les gens qui ne comprennent pas, au fait, polar, je vais vous expliquer, vous traduire ces explications dans cette vidéo. Alors, soyez prêts et surtout, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Aussi, la partagez. Parce que c'est un phénomène qui est devenu récurrent dans notre pays et c'est devenu très, très dangereux. Le pays est devenu risqué. Pas seulement le pays, le monde est en l'envers. Ce monde, je ne sais pas, certaines personnes, où sera leur place demain? Je prie Dieu pour eux qu'on leur pardonne de leurs péchés graves que nous tous on est en train de faire tous les jours. Alors, mais d'abord, je vous mets la vidéo, la famille. Vous allez écouter. On écoute tous ensemble. Kanko e jajam be wondiga jajano nadi modo e l'école privée l'école benna mo jallo e lazunu wani ndrado be nadi jiunku njangu gol don fondateur jong e lazunu tigi e jiunku ndermo mo mari kanko tigi biro kander ton kander e et école makko onodda jiunku yobe yobe itta koje sa fe o manni jiunku ha fe iti e nder dum o dayni jiunku yetti jiunku ngona bikun wo fula madina e nder motel o ni jiunkun be yaadu restaurant nyaamugol jiunkun ko mo 17 ans o yaade jiunkun nyaamugol o jetti jiunkun o violi jiunkun e nder hotel ba o violi jiunkun jiunkun arti e nder dum e jaka o jetti redu mawdo on ba o yet jiunkun immi ke nawni do ha jiunkun nabama ni yeyi wadu wala ni hore mum visite andi ko redujo jiunkun noddi mawdo on wawlani mawdo on in e lazunu ko mi redujo mi yeyi kalabtani be nilan ko mi redujo elaz no wi ko ay awa joni ndaru no gerda on sati jiunku ngi ne walletela mi fala ka yoto karang andu kanyum mati e birange si be andi mo janala on sati jokki mawdo na mawdo jetti 300000 joni mo yo yo o itto ya rendu ba jiunku ngende ke 300000 jidi ye moggo kama ka be woni don kay wandrado e der clinique chambre goto on sumati jiunku wolani ben fala avortude ben innima ko 500000 avortir sa redu jiunku inni ako 300000 jogiti on sumati ben sina 500000 be avortanta mo rendu on sumati jiunku jetti 300000 jidin jonni be no jogino telephone iphone jetti telephone non jonni be comme engagement fi on no 200000 ji heddi din jiunku ngacci telephone onto après be pikki jiunku pikirji fi yo rendu bonu rendum ba woni ndube jonni modin pikir ji rendum ndu dumanni ndu avorti kono lati e der dum lannal iwali ka redu o fuddi senyude ko huli kon non ba mo wondi e tokara makko ka sudu nene makko mawdo o imme o hoti ka nene makko ka fulawat mamu e der dum ba hoti mamu après wono e 2 jours 3 jours e der 5e jour on tun déclencher ka redu makko ko avorti kon on sati ben do ganda ko avortu mango wadi be jetti mo direct be nawi mo ka urgence mamu
babe nabi moka urgence mamu on sumati bentongi nyako avortement ngobadi foke yobe addirmo ka urgence donka gade be jettimo ka urgence donka be addimo kona be jettimo ka urgence mamu be addimo ka urgence donka men heuti be wadimo duma foppu be visite be ndare fo be nyako avortement kona avortement ngo woni grave ko foke osiva operation general on sumati enderdu bendongi ni wawata yo men nabumo inyas din men nawi mo inyas din be wadi mo operation general be lotire dundun kono tay der dun jiyan dan jippike ka koyde der koyde jiyan dan jippike kon ka koyde jiunkun koyde den ibika busse ha ka teppele fo ko ko nyoli me nyoli feewdo kam woni do ni jiunkun no entre ngurdan e maide e der dum mi yeey ba mi yeey kala tan tay be so ngime me yeey me wadi plainte ka o projet bento nginna me yo men habbo hande vendredi hebi 2 semaines bi men wadi on plaintame ha do ni me ronku hebude ko laabi e dermo men ini tigitigi on joni ba men men nyaawndi men wakkili ke ha hewti feewndo do men mara hande mbuudi ko men wattira parce que famille on fop alamo etake alamo wakkilaaki fiimo men jetti jiw min ni joni na ko duudi wonde wadde jetten jiw kun artiren kun ka mawdo waddo problem mon joni temmo kala ko watta jiw kun ka der galle makko men getti jiw kun hande men artire kun ka galle mawdo ni baka der galle der ton men tay ton famille makko kono kanko mawdo men tawale moto men artirani mo jiw nawnu kun ko fowno aray tigi tigi on ko men mari ko mi watta don yandi ono wonbe wallitaade men den burte darade wallomme parce que say goddo wadana ma sifa dum do he image ji din fosi on yiide haray yi don waawa confirmer de kun jiw do hande eta ma fi mo ngender lebbi nay ha ni be wattana mo sak de semaine jiyan carte poste dan tabitata ka bandu makko dan yupporay ka koyde makko koyde den fop. La famille, vous avez écouté la dame. Pour ceux qui ne comprennent pas Poulard, je vais vous expliquer ce qu'elle a dit. En fait, cette jeune dame étudie dans l'école de la personne qui l'a violée. Ce Elage Nour, ce monsieur a abusé de la petite jusqu'à ce que la petite est tombée enceinte. Pour vous faire raccourci de l'histoire, d'abord au début de leur rencontre, qu'est-ce que ce monsieur disait à la petite? C'est d'appeler la petite dans son bureau en soi-disant prendre le petit déjeuner avec cette dernière. Et la petite venait dans son bureau, ils prenaient le petit déjeuner ensemble, et un jour le vieux, Elage Nour, invite la petite à Madina, dans un motel là-bas. Ils sont partis se rencontrer et il s'est abusé de la petite. Et dans ça, Crochet s'est tombé. Pour vous faire court. Alors, quand la petite est tombée malade, elle est partie faire des visites. Elle a constaté qu'elle était enceinte. Et elle a appelé le vieux, le Elage Nour, pour l'informer de sa grossesse. Et ce dernier dit à la petite de se débrouiller. Au fait, de tout faire. Peut-être pour enlever la grossesse. Alors, la petite a encore, elle est partie quelque part où on enlève les grossesses. On avorte, je veux dire. Quand elle est partie là-bas, ces gens-là lui ont dit que pour enlever sa grossesse, c'est 500 000. Mais vu que le vieux lui a envoyé 300 000 pour avorter sa grossesse, l'argent n'était pas complet. Elle a mis son téléphone iPhone comme gage. Alors, quand elle a mis son téléphone comme gage, ces personnes ont avorté la grossesse. Mais malheureusement, quand la grossesse a été interrompue, tout n'est pas pu sortir. Parce que vous savez, avorter une grossesse, arriver
à un certain niveau, pour le faire, il faut vraiment les professionnalistes, je veux dire. Mais vu que ce sont des amateurs, des cliniques clandestines, ils ont fait ça comme ils veulent, en fait. Et dans ça, la petite a eu des problèmes. Vu la situation comme elle était avec sa tante, la grande sœur à sa maman, la petite, elle a décidé de partir à maman. Et c'est là où ses parents ont découvert, parce qu'elle était malade, ont découvert à l'hôpital comme quoi c'est une grossesse qu'elle a interrompue qui lui crée ses problèmes. Et les gens de là-bas, l'hôpital, ont demandé à la famille de l'évacuer vers Conakry, précisément à l'hôpital Donka. Et quand ils sont venus à l'hôpital Donka, vu la situation était grave, la même, au fait, le même constat a été observé du côté de Donka. Alors, vu la situation de la petite, les gens de Donka aussi ont demandé à la famille de l'envoyer aux côtés de Ignace Dine, parce qu'elle doit faire une intervention générale pour nettoyer peut-être son l'utérus, parce que c'est là où il y a le problème. Alors, elle est partie aux côtés d'Ignace Dine, ils ont fait l'intervention, mais selon la dame qui a témoigné dans la vidéo, elle dit que malgré l'intervention, la fille n'arrête pas de saigner. Parce que selon elle, au niveau du bas jusqu'au pied, l'orteil, c'est presque pourri, selon le témoignage de la dame. C'est presque pourri. Et là où elle parle, la fille, elle est entre la vie et la mort. Et c'est là où ils ont décidé, la famille, de prendre la petite envoyée chez le Elhaj, dans sa famille. Là où je fais cette vidéo, la petite, elle est là-bas. Et ce qui est triste et dommage, cette famille est partie demander, porter plainte aux côtés de l'OPROGEM. Et jusqu'à maintenant, si ce n'est pas hier, ils ont fait, jusqu'à maintenant, l'OPROGEM n'a rien fait pour l'instant. Et présentement, la petite, elle est dans la famille de Elhaj. Il y a toute sa famille là-bas, la famille de Elhaj. Mais selon la dame, le Elhaj, lui, il a disparu. En tout cas, il n'est pas là-bas. Mais la fille, quand même, est dans sa famille. La famille, vous voyez, c'est une situation. Comment est-ce qu'un Elhaj de 70 ans, un vieillard, peut abuser à une petite fille de 17 ans? Quel chagayagal, quel, je vais inventer le mot là, quel bordélisme, parce que vraiment, c'est vrai chagayagal, wallahi. Où va ce monde? Où va ce monde? L'affaire est tellement incroyable que tu te dis, est-ce que tu es dans un rêve? C'est presque la même situation que la petite. La fois dernière, j'avais fait une vidéo concernant la petite aussi, qui a trouvé l'amour chez une dame, la voisine de sa maman. L'enfant de sa voisine l'a enceinté et ils ont gardé la petite dans la maison. L'avorter et la petite meurt dans leur maison, ils prennent la petite, l'envoient à la mosquée pour l'enterrer. C'est presque la même chose. Mais pourquoi le projet n'a pas réagi? Pourquoi? Il faut se poser la question. Parce que ce monsieur doit être mis aux arrêts et il doit répondre de ses actes. Pas seulement le monsieur, mais les personnes aussi qui ont tenté d'avorter la petite fille, doivent tous être mis aux arrêts. C'est la vérité. Ils doivent tous être arrêtés. Parce que c'est un crime qu'ils ont commis ici. C'est un crime. Soit le monsieur, soit les personnes là qui ont tenté de l'avorter.
C'est un crime. Ils doivent tous mettre, ils doivent tous être arrêtés. Le problème doit se lever et arrêter ces personnes. Parce que normalement, la petite, elle est mineure. Et le problème, c'est son rôle normalement d'intervenir dans des cas comme ça. Mais je me demande pourquoi, jusqu'à présent, le problème n'a rien fait. Alors la famille, sincèrement, c'est triste. C'est triste. Bousiller la vie d'une petite fille comme ça, c'est juste incroyable. Alors, je vous recommande de partager cette vidéo. Partagez-la et ce monsieur, ce vieillard, doit être affiché pour sauver d'autres petites filles. Parce que c'est un vrai pervers. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.